Bonjour, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Je vous ai manqué tout l'été. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, j'ai travaillé avec mon équipe à construire un nouveau projet, un projet qui me tient à cœur énormément, mais qui est nouveau et surtout qu'on a besoin en ce moment. Alors, vous me connaissez depuis déjà quelques années et à chaque semaine, je vous parle de l'effet des planètes dans nos vies. Mais est-ce que vous savez que les planètes, on les a dans la main aussi? Alors, au lieu de m'avoir chez vous quelques minutes par semaine, alors je vous engage à être avec moi pendant une heure par semaine pour 12 semaines dans mon prochain défi qu'on appelle Comment découvrir le pouvoir des planètes dans nos mains. Alors, si on se sent seul ou triste ou avec plein de peur, ben, c'est l'effet de la Lune. Si on se sent mal aimé ou on n'est pas bien dans notre peau ou on a beaucoup d'énergie, de passion, c'est l'effet de Vénus. Est-ce qu'on est sous le stress avec tout ce qu'on vit? C'est l'effet de Mars. Est-ce que vous savez votre but dans la vie? Où vous êtes perdu, c'est Jupiter. Est-ce qu'aussi on est capable de passer les obstacles, surtout en ce moment de la vie, ou est-ce qu'on a du ressentiment, Saturne, et encore plus. Alors ce défi, vous allez recevoir des outils, vous allez avoir plein de bons travails pour nous aider à nous développer, puis en même temps, vous allez aussi avoir d'autres vidéos complémentaires pour comprendre encore plus, vous comprendre. Tous les gens qui viennent me voir, c'est toujours les questions, mais Guylaine, pourquoi? Alors maintenant, les pourquoi, les réponses sont dans nos mains. Alors je vais vous aider parce que je veux que vous ayez une bonne vie. Alors on va comprendre nos faiblesses, puis on va améliorer encore plus nos forces. Alors peut-être que vous avez plein de signes de sagesse, vous ne le savez pas, et ces signes vont vous aider. Alors participez avec moi. Le défi commence le 23 septembre pendant 12 semaines. Et c'est un rendez-vous. On va avoir beaucoup de plaisir, ça va de soi. Mais en même temps, je vais être avec vous pour vous supporter, pour qu'on soit ensemble à être capable de passer les tests qu'on vit en ce moment. Alors, à très bientôt, j'espère. À bientôt.